Anatole et Benjamin préparent le trépied. Au début, on se dit les deux ensemble. Yann s'occupe du micro. Maxime, l'animateur des Turlupins, gère la caméra. Au périscolaire de Souffelweyersheim, les kids de Graphiclip ont bien avancé sur le prochain court-métrage. On est content parce qu'on a atteint plus que nos objectifs de départ. On voulait faire 3 scènes, on en a fait 4 quasiment, donc c'est bien. Script à l'appui, les jeunes ont préparé la semaine et bien appris leur texte depuis Noël. Aujourd'hui, on tourne la scène 2, c'est la scène des footballeurs. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui est un peu moins fort que les autres et du coup qui se fait rejeter par les autres et ils veulent pas qu'il soit dans son équipe. On devrait toujours traiter les autres comme on aimerait être soi-même traité. C'est le thème du film. Le tournage va commencer dans la cour de l'école. Vous pouvez déjà vous placer, ok ? Ça sera déjà un bon départ. Je sais pas. Qui prend le son ? Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais ça déjà avec eux. Et ça me permet déjà de leur transmettre ma passion et puis de leur apprendre comment est construit un film, comment est construit une image et développer leur esprit critique par rapport à ça, tout simplement. Silence, moteur, action. Le truc qui me plaît, c'est l'aspect technique. Par exemple, prendre le micro, j'aime bien. Faire acteur, j'aime bien. Ce qui est difficile, c'est d'apprendre un texte et puis faire du jeu d'acteur et de ne pas surjouer sa scène. Action. Non, mais t'es vraiment trop nul! Fais attention maintenant! Désolé, sa frappe était trop rapide. Mais non, c'est ton arrêt qui est trop long! Quand je regarde des films, je me demande toujours comment on fait et tout ça. Et Max, il nous apprend beaucoup de ces choses. Après le tournage, c'est l'heure du débrief au Turlupin. Théo, moi je prends Ethan. Oui. Théo, je prends Timothée. Oui. D'accord. Graphiclip, où l'atelier des vidéastes en herbe existe depuis 2008. Le 12e film de l'équipe sera présenté à Souffelweyersheim le 13 juin, puis au Festival du court-métrage cet automne à Oberhausbergen. L'aventure Graphiclip Kids, c'est aussi sur Facebook. N'hésitez pas à les suivre. Bah écoutez, la scène 2, c'est dans la boîte.